Salut tout le monde, c'est Jolat, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur un nouveau jeu qui m'a l'air ma foi fort sympatoche. Et je me suis dit pourquoi pas l'essayer ensemble, ça pourrait être cool. Et c'est pour ça que je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue sur Happy Room. Ça peut vous faire penser à Happy Wheel comme ça, ou bien peut-être même à Happy Meal si vous êtes des grands gourmands. Mais pas du tout. En fait, Happy Room, c'est un jeu où on va devoir faire les pires expériences inimaginables sur ce pauvre petit monsieur. En fait, c'est des clones. En tout cas, les gens, si la vidéo vous plaît, oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, pourquoi pas la partager. Oubliez pas que vous avez toujours un petit lien dans la description pour acheter vos jeux moins chers sur G2A. C'est bien cool. Allez, c'est parti. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai déjà commencé le jeu, mais je suis vraiment pas loin. Je suis au tout début. Hein. Je suis juste vers le boss final, mais c'est bon. Non, je déconne, il y a pas de boss final de toute façon dans le jeu. Enfin, je crois pas. Donc au début, vous voyez que en haut, juste ici, on a des objectifs. Par exemple, faites sauter 3 mines coup sur coup. Donc ça, ça peut être sympa. Ça peut le faire. Regardez, si je fais ça, on prend des petites mines comme ça. Admettons. Par contre, faut calculer un peu sa trajectoire vite fait. Vous allez voir que c'est pas évident. Voilà, on fait admettons ça comme ça. C'est parfait. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on commence le test. Attention, c'est parti. Une. Et ben, voyez, j'aurais dû la mettre là. Je stoppe le test, je reprends, par exemple, ma petite mine, je la mets là, voilà. Et je vois ce que ça donne. Une. Loupé. Voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous commencez à comprendre un petit peu, vite fait, le principe, là? J'aurais dû plus la mettre par là. Et je pense qu'après, par ici, c'est pas mal. Allez. Une. Deux. Et trois. D'accord. La troisième, là-bas. C'est bon, j'ai compris. La troisième, on va la placer juste ici. Allez, vas-y, fais péter. Une. Ah putain, bah c'est pas vrai. Attends, tu rigoles mon vieux. Allez, vas-y, let's go. Une. Deux. Trois. Voilà, c'est bon. Objectif atteint. Ça, c'est cool. Voyez que par la suite, on peut soit ralentir le temps, comme ça. Vous voyez, la musique est ralentie avec et tout. Ou alors, on peut l'augmenter pour les expériences. Ça peut être cool. 5 atteintes à l'aide d'une arbalète sur les piquants. Appliquez 1000 des points de dommage. Donc, les points de dommage, vous allez voir qu'ils sont ici. Par exemple, on pose les mines, on pose toutes sortes de pièges et on voit les dommages que ça fait sur son petit corps. Ça peut être bien cool. Allez, c'est parti. Let's go. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer toutes les mines. On va poser... On va mettre 2-3 piquants comme ça. 5 atteintes à l'aide d'une arbalète sur les piquants. Donc, on va faire ça... Voilà, tac. Alors vous voyez qu'en bas à droite, j'ai de l'argent. Voilà, donc c'est un petit peu stratégique, on va dire. Faut pas non plus faire n'importe quoi. Ensuite, dans les armes à feu, j'ai des arbalètes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les poser comme ça. Hop, tac, comme ça. Et on va mettre, pour la fin, des petits ressorts parce que ça va être cool. Voilà, on va en mettre un en centre comme ça. On va en mettre un qui va vers la droite comme ça. Et un qui va vers la gauche, ici. Je pense que là, on est pas mal. Là, on est franchement pas mal. Attention, on va voir ce que ça donne comme ça. C'est parti. Allez, let's go. Allez, un piquant. Voilà, ça c'est cool. Voilà, vas-y, vas-y. Voilà, ça c'est cool. Allez. Et bah c'est parfait, regardez. En haut, les objectifs, ils se mettent à jour. Donc ça, c'est plutôt cool. Non, bah pourquoi qu'elle s'est rangée là-bas? Bah j'ai pas fait grand-chose en fait. J'ai pas fait grand chose. Non, non, ça va pas du tout. En fait, faudrait qu'à l'aide des arbalètes. Voilà, voyez. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est parfait. Regardez les objectifs en haut qui se mettent à jour là. Là, on est. On était à moitié chaud quand même. À moitié. Ok, donc regardez, on va tout virer. Voilà, on vire ça comme ça. Et on va mettre plutôt que des arbalètes. Parce que j'aimerais bien remplir l'objectif des arbalètes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Voilà. Comme ceci. Voilà, ça c'est pas mal. J'ai plus d'argent. Ok, d'accord. Allez, vas-y, let's go. Allez, vas-y, tire. Vas-y. Non. Non, ça le fait pas du tout comme ça. D'accord. Voilà, on va tester une expérience. Je teste une expérience comme ça. Vas-y. Voilà, ça c'est bon. Voilà, c'est impeccable. Nickel. Regardez, on est bien parti là. Non. Ah non. Alors ce qu'on va faire, on va plutôt s'occuper dans un premier temps de jeter notre cobaye 5 fois dans les piquants à l'aide des ressorts. Voilà, donc ça, ça peut être cool. Tac, comme ça, voilà. Et ça, comme ça. Là, ça devrait le faire. Attention, on lance. Là, je pense que ça va le faire. Voilà, regardez. Encore. Encore quelques fois, vous voyez qu'en haut, là, il y a les objectifs. Ok, celui-là, déjà, il est rempli. Ensuite, 2 flèches dans la tête. Ça, ça va être tranquille ça. Regardez en haut aussi, appliquer 1000 des points de dommage. Ça, ça devrait le faire tranquillou. User quelques piquants, ça c'est fait. Regardez, on gagne de l'argent en bas à droite. Et là, on va pouvoir rajouter encore d'autres trucs
pour faire des expériences horrifiques sur notre personnage. Rien à voir avec les expériences sociales, je vous rassure. Donc ça, c'est plutôt cool, on a gagné pas mal d'argent. Ça, ça le fait bien. Allez, on va tenter une nouvelle expérience. On va essayer. Je dis bien essayer parce que là, ça va être chaud. Je voudrais faire celle-là. 5 atteintes à l'aide d'une arbalète sur les piquants. Depuis tout à l'heure, j'essaye de la faire, en fait. Et c'est vraiment la galère. Là, je pense que j'ai quand même assez d'arbalète. Allez, vas-y, c'est parti. Fais-moi péter ça, là. Voilà, ça, c'est bon. Ah, j'ai pas mis assez de piquant. Merde. Allez, vas-y, fais péter ça, là. Voilà, yes. Voilà, et eh ben c'est impeccable. Ah non, il en manque encore un petit. Allez, vas-y. Oh, putain, mais c'est pas vrai, ils ont pas tiré jusqu'au bout. J'y étais presque, quoi. Par contre, les 1000 points de dégâts... Les 1000 points de dégâts, on y arrive, là. Voilà, yes, ça, c'est cool. On a fait les 1000 points de dégâts. Excellent. Et ben ça, c'est impeccable. Passer 20 mètres sur les 6. Alors, les 6, je les ai pas encore débloqués, il me semble. Hein. Bon, on va stopper l'expérience ici. On a gagné de l'argent, donc ça, c'est plutôt cool. Est-ce que j'ai débloqué les 6? Ah yes, maintenant j'ai débloqué les 6, donc ça, ça va être cool. Alors attends, les 6, ça vaut 150. Passer 20 mètres sur les 6. 15 secondes des points de dommage de la part des 6. Alors par contre, j'ai pas rempli l'objectif des arbalètes, donc ça, je voudrais bien le faire. On va essayer de le faire tranquillement. Voilà, on va minimiser la place. Voilà, je vais rajouter encore une arbalète. Voilà, est-ce qu'il y a moyen? Est-ce qu'il y a moyen comme ça? Vas-y. Voilà, ça va le faire. Non, ça va pas le faire. Si, ça va le faire ou pas? Non, ça ne l'a pas fait. Je vais rajouter des piquants juste ici pour voir. Je pense que là, ça pourrait le faire. Allez, vas-y, fais péter. Vas-y. Voilà, impeccable. Ah bah là, ça va le faire. Ah bah nickel. C'est bon, on a rempli l'objectif en haut, donc c'est plutôt cool. Voilà, impeccable. On peut arrêter l'expérience. C'est bon, voilà, calmos. Nickel, maintenant on a gagné l'argent suffisant et tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Consommer 7 cartouches de fusil à pompe. Ah, je l'ai pas déverrouillé encore le fusil à pompe. Vous voyez qu'ici, il y a plein de trucs à déverrouiller. En bas, par exemple, dans les explosifs, j'en ai 4 à déverrouiller. Dans les armes à feu, j'en ai plein à déverrouiller. Ici, c'est pareil. Ici, c'est pareil. En haut, c'est pareil. Il y a plein de trucs. Franchement, il y a beaucoup de trucs à faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, on va retirer les arbalètes. Tranquille. J'ai même retiré les piques. Et ce qu'on va mettre, c'est qu'on va plutôt faire péter les 6 maintenant. J'aimerais bien essayer de faire ça. Passer 20 mètres sur les 6. 15 secondes des points de dommage de la part de 6. On va faire comme ça, je pense que là ça devrait le faire. Je vais rajouter 2-3 ressorts. Ici on va mettre un ressort comme ça. Là ça devrait le faire. Là je pense que ça devrait être pas mal. Allez vas-y. Voilà, nickel. Bon bah c'est bon, déjà les 20 mètres sur les 6, ça a été fait direct. 15 secondes des points de dommage de la part des 6. Ça, ça pourrait être pas mal. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est qu'on va enlever celui-là. Ah regardez, on peut changer le sens des 6. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, je pense que là, du coup, on est pas mal au niveau des 6. Je voudrais bien faire celui-là. 15 secondes de damage avec les 6. Allez, c'est parti. Voilà, ça va le faire. Là, ça devrait le faire easy. Easy. Ouais, yes. Allez, vas-y, fais péter la vitesse x2. Voilà, ça va le faire impeccable. Allez, allez. Ah, merde. Ah, non. Ah, c'est dommage, ça. J'aurais dû en rajouter. Ce qu'on va faire, c'est que je vais en rajouter comme ça. Voilà. Hop, voilà. Je pense que là, du coup, ça va le faire. Allez, vas-y, fais péter. Là, je pense que ça va le faire. Loupé. Vas-y, fais péter pour les 15 secondes. On est bon? On est bon? Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Loupé. Écoutez, je vais tenter une nouvelle stratégie avec les 6. On va essayer de se la faire comme ça. Je pense que du coup, il y a moyen. Allez, dis-moi que comme ça, il y a moyen de péter les 15 secondes de dommage avec les 6. Je pense. Oh non! On croise les doigts. À mon avis, il y a moyen. Ah non. Ah putain, il passe pas. Ah, je suis dégoûté, il passe pas. Attends, quoi que sa petite main qui frôle, ça peut monter les 15 secondes. Ça peut le faire. Je suis deg. Je tente une autre technique. Je pense que là, concrètement, il y a moyen de faire péter les 15 secondes de damage avec les 6. Allez, il y a carrément moyen. Voilà, ça passe. Voilà, c'est bien. Dans ce sens-là, hop, ça se stoppe ici. Je pense qu'il y a moyen. Là, il y a carrément moyen pour les 15 secondes. Allez, encore un petit effort. Un tout petit effort, non? Allez, vas-y, là. Fais-moi péter les 15 secondes de damage avec les 6. Il y a moyen s'il reste pas coincé. Et je pense que... Non! C'est bon, il se décoince. Enfin, il se décoince, il se décoince. Oui! Il y a moyen. Allez, vas-y. 15 secondes. Ça, c'est fait. Allez, c'est dans la poche à Bibi, les 170 balles. Nickel! Et on a débloqué un nouvel item. Regardez, c'est quoi ça? Un téléporte.
D'accord. Alors ici, on a un objectif, faire 10 téléportations. Donc ça, ça peut être cool. En tout cas, les gens, on va s'arrêter ici pour la vidéo sur Happy Room. Le jeu, il est bien cool, il est super fun. Moi, franchement, je kiffe. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud pour qu'on fasse la suite. Ça pourrait être cool. N'oubliez pas le petit like et le petit partage si ça vous a plu. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Et ciao tout le monde.